Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon été. Je vous parle depuis la station d'altitude de Val-Louron. Comme vous voyez, le temps n'est pas au beau fixe, hein. Aujourd'hui, l'objectif, il est clair. On part à la cueillette du Genépi, une plante de montagne qui pousse exclusivement entre 2500 et plus de 3000 mètres d'altitude, qu'on fait macérer dans l'alcool, ce qui nous permettra de faire des petits ateliers dégustation lors des prochaines randos. Parce que oui, très bientôt, avant la fin de l'année, vous allez pouvoir venir avec moi en randonnée. Je vais organiser des régalades ouvertes à tous. On pourra aller se la régaler ensemble. Bien sûr, j'annoncerai ça sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Je vous tiendrai au courant. Petit topo de la randonnée du jour. Depuis la station de Val-Louron, on va rejoindre le lac de Sarrouille, puis les lacs de Miarès. On va continuer pour prendre une ligne de crête jusqu'au pic d'Estos, qui culmine à 2803 mètres d'altitude. Allez, c'est parti! Alors, il y a beaucoup de monde qui me dit: hey Tayeb, qu'est-ce qu'il fait? Il vient plus avec toi? On le voit plus. Bah, c'est vrai qu'il me manque aussi, il est un petit peu occupé en ce moment. Juste parce que tu nous manques, Tayeb, je vous mets sa tête là. Pensez pour toi, Tayeb. T'es énorme. C'est tellement humide que même si j'ai pas froid, il va falloir que je remette mon kawé parce que là, je suis en train de me tremper la tronche. T'entends le. Est-ce que t'entends le bruit des cloches? Voilà, bah là, c'est les vaches qui broutent paisiblement. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais. On sent que le bleu du ciel est vraiment juste derrière. Je le sens, là. Je le sens arriver, il est plus très loin. Et le ciel bleu, et le soleil qui apparaît, qui vient nous caresser la joue, qui laisse apparaître ses premiers sommets avec le pic Sarrouille, les brebis. Si on trouve pas le Genépi, au moins on aura cueilli le ciel bleu. Et c'est déjà une petite victoire. Bon, et sinon vous dites rien, mais je sens que ça vous perturbe un peu la tête du gros Tayeb. Qu'il est mignon le gros Tayeb. Ouh, gouzou, gouzou. Allez, on vire Tayeb, on lui dit à bientôt. Il y a une chanson qui dit « C'est plus vraiment la terre et c'est pas encore le ciel. » Petite phrase pépite. Bon, l'Estos, tu te montres un peu? L'Estos, voilà. Bon, il est encore bien dans les nuages. On va aller voir de plus près. Le petit arc lumineux, s'il est mignon. T'as la petite marmotte juste là, regardez. Petite pause banane au bord du ruisseau. Fait toujours plaisir la petite pause banane. Le doux bruit du ruisseau qui coule juste à côté. C'est super agréable. Le décor est en évolution perpétuelle avec les nuages qui dansent quoi. C'est de toute beauté. Juste au-dessus on a le lac de Sarrouille. Et nous on va continuer de grimper par là. Allez go! On va passer la barre des 2500 mètres d'altitude et donc on se rapproche de l'environnement qui serait propice à l'objet de notre quête, à savoir le Genépi. On va commencer à ouvrir l'œil et on croise les doigts. Petit lac de Miarès avec un petit peu d'écho. Eh oh! La super les montagnes, fra boschi e valli d'ore. Bon allez, de toute façon on n'entend rien avec le vent. Ça souffle, hein. Ouf, ça souffle. Ah, ça fait toujours de l'émotion hein. Quand tu passes un col, que tu découvres la vue de l'autre côté, que c'est beau quoi. Devant, derrière, c'est la même. Je vois toujours pas de Genépi, mais c'est super beau. Je suis à 100 mètres en dessous du sommet d'Estos et j'ai toujours pas vu de Genépi. Faut passer là quoi. Ah, faut pas déconner hein, quand même. Faut pas déconner. Estos 2803 mètres, bah tiens c'est marqué là, avec une vue extraordinaire.
On n'aura pas trouvé de Genepi, mais on aura profité de vues splendides. Regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Vous inquiétez pas, je trouverai d'autres plantes, d'autres petites douceurs à faire macérer dans l'alcool pour se faire des petites dégustations à la rentrée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou même sur le terrain. A tout bientôt, ciao. Ça la régale ça.